Enquêteurs et experts informatiques internationaux traquent les pirates à l'origine de la cyberattaque mondiale ransomware. L'attaque a frappé de manière indiscriminée et s'est propagée très rapidement depuis vendredi, selon Europol, qui craint à présent que le nombre de victimes continue à croître lorsque les gens retourneront à leur travail lundi et allumeront leur ordinateur. Chez Europol, nous organisons chaque année 200 opérations mondiales contre le cybercrime. Mais nous n'avons jamais rien vu de tel. Nous avons vu la montée en puissance de ransomware, qui est devenue la principale menace cybernétique. Mais c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. La portée mondiale est sans précédent. Notre dernier décompte fait état de 200 000 victimes dans 150 pays. De la Russie à l'Espagne et du Mexique à l'Indonésie, des centaines de milliers d'ordinateurs, surtout en Europe, ont été infectés par ce logiciel de rançon qui exploite une faille dans les systèmes Windows en verrouillant les fichiers des utilisateurs et les force à payer 275 euros pour en recouvrer l'usage.